Mes amis, bagay yo grave. Bagay yo compliqué. Et si nous avons des bagay yo plus compliqué que Samuel a toujours, ou mettre quoi, Haïti a sombré dans le néant. Gon vidéo m'pral partager avec vous dans un petit moment, dans un petit temps qui pas trop long. C'est dans vidéo ça on pral découvrir que finalement, plus gros ennemi haïtien, c'est haïtien avant tout. Plus gros ennemi développement paysan, li pas l'autre que haïtien avant tout. Nous haïtiens, nous ka assimiler la crabe. Pendant qu'on fait tentative pour la gueule, lui-même l'a baissé modo. Pendant qu'on fait tentative pour libérer, lui-même l'a baissé piège. Vidéo après l'explique tout bagay. Vidéo après le permet tout, jodi en là, est-ce que le possible, oui ou non, pour qu'on révolte, pour qu'on révolution qui fait en dedans pays avec haïtien, avec modèle haïtien, moi nous gué là. Est-ce que nous te connaissons, yo te arrêté, yo la tortue, dans l'aéroport Miami? Ou pas te connaît? D'autres jeunes font moins dit non. Ma prête petite parole de réalité le ça pour me dire non. Bah, y a problème à personne nèg non. Pour l'homme fin faire émission, pour nèg par une menace, mes crimes, messages, relais, menaces, etc. Pour chercher terrorisme. Soit petit coup même en bas la République, oui. En tant qu'haïtien, en tant que jeune, qui fait dans le pays, qui grandit dans le pays, qui étudie dans le pays, c'est tout droit. C'est tout droit pour me chercher information, pour me mettre à nu un paquet de nègres qui a déstabilisé le pays, un paquet de politiciens soi-disant qui remet le pays, mais qui a créé chaos, qui a créé instabilité en Haïti. Donc, déjà là, je vous invite à préparer, puisque l'émission, ça, son émission qui a chargé information, son émission, nous allons faire un paquet d'analyses sur ça, nous allons regarder, sur ça, nous allons attendre, pour comprendre exactement la situation Haïti est là, avec le modèle dirigeant, avec le modèle peuple, nous là, nous ne pouvons pas plus loin, sinon que rentrer plus fort dans tout, sinon que rentrer plus bas, descendre plus bas, que nous déjà y est déjà. Donc, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui dans l'émission, pour nous faire tout débat ça, tout râler ça. Donc, si vous pouvez abonner, activer la cloche de notification et comme ça, vous pouvez rester connecté dans la famille. Chaque vidéo, vous avez pour nous poster, vous pouvez là pour garder la vidéo, commenter, partager avec nous. C'est l'heure du débat. Yannick à l'appareil pour analyser et commenter. Tous les jours, à partir de 2h, suivez sur votre channel Mon éditorial avec Yannick. Les grands dossiers seront débattus à l'heure de cette émission. Alors, soyez les bienvenus. Bon, depuis quelques temps là, nous tout droit qui ça a passé entre Haïtiens et Dominicains. Depuis après décret ça président Luis Abinader te prend côté que yo di a déporter haïtien pa pile pa paquet voye retourner la caillou nous voit comment dominicain a maltraité haïtien comment dominicain a humilié haïtien. Deux semaines après ou pral wè gouvernement haïtien yo sorti un petit note comme si de rien n'était yo seulement condamné déportation massive yo condamné traitement dominicain à haïtien yo sans que yo pas proposition pour yo di yo pral accompagner haïtien ça yo que dominicain voye retourner. Yo pa pren aucune disposition pour yo mette moun sa yo dominicain voye tourner en Haïti pour yo di yo pral ba yo papier, yo pral légaliser situation. Donc nous déjà wè là que te Ariel Henry, que te Jean-Victor Généus, c'est des renseignés, c'est des bluffeurs, pas bon merde à régler pour haïtien. Et bien par rapport avec situation ça, te gon opération l'autre frontière que haïtien te décidé fait, surtout dans zone frontalière yo. Et bien nous on a mettre là gon groupe jeune qui te prend initiative l'autre frontière. Frontière gen avec Dabon. Yo dou anyen haïtien pa rentre en République Dominicaine et dominicain pa sorti la caillou vin rentrer en Haïti, pa gen marché ka pouvri, pa gen marché et binational ka fait pendant moment ça, pendant petit temps ouais, dominicain maltraité haïtien, dominicain humilié haïtien. Et tout le monde te bat bravo, communauté haïtienne nan te bat bravo, yo estime son très bonne initiative que moun sa yo jeune wana met yo te prend pour yo faire respecter droit haïtien. Et nous te ouais comment bagarre là te commencer pour tes résultats. Nous te ouais comment démarche l'autre frontière te commencer pour tes fuites. Mais bagarre là t'as pas vu une grosse bémol là dedans. C'est le magistrat d'Abon non, lui faire connaître que haïtien ou haïtien pas ka kembe avec l'autre frontière parce que haïtien grand goût. Ça te vient lever plus sous do mon wana met yo pirèd parce que son insulte lié comme haïtien grand goût. Comment haïtien grand goût pas ka kembe a?
Et pour monsieur, pour petit jeune, pour riposter qui ça yo fait, yo décider, yo vina avec Toche, yo vina avec Delco, yo décider non seulement yo cadenasser bo haïtien, yo soudel ti mari va monter, ti mari va descendre. Mouvement continue fait. Vous comprenez, haïtien continue à protester, yo dou question pour Dominique qui a déporté haïtien pa pile pa paquet là, faut que bagay ça fini, faut que gouvernement Ariel Henry di un mot, faut que situation régularisé. Mais nous te comprendre que Ariel t'a pral prendre et décision, gouvernement t'a pral prendre décision pour arriver freiner déportation massive là, pour et garder comment yo te ka et mettre camper là un dialogue diplomatique de pays yo faire concertation pour au moins calmer tension, pour au moins font ti poser, font ti tempérer sur situation critique qui gen là, on rien pas fait. Kou n'y a information qui rive joindre nous puisque nous gen envoyé spécial nous te voyé sur frontière wana maintenant qui te al prend image, qui te al interviewer moun yo, parler avec moun yo pour yo connait exactement qui ça ressenti dans moment là. Et bien t'as pral gon gros bataille qui déclenche sur frontière. Et qui ça information yé? Gagné des séries de nèg dans zone et trou du nord au trou qui prend l'argent non mais magistrat d'abonne pour qui ça parce que nous même qui ça la vendre la caillou c'est pepe nal vendre c'est pantalon c'est vieux maillot vieux corsage etc. c'est ça nal vendre la caillou et yo même qui gen chou et yo même qui gen carotte et yo même qui gen banane et yo même qui gen bagaille qui pour gâter donc dominicain yo gen plus bagaille pour perdre que haïtien et bien comme yo ouais gen plus à perdre. Et bien magistrat d'abonne, li contacte des séries de gros nèg, des séries de nèg qui reprend des séries de zèfèis dans trou du nord, dans autre et puis yo débarqué là sous frontière là. Yo débarqué dans Wanamet, nèg yo débarqué à machine, un paquet nèg yo vini pour qui ça? Pour yo vinn débloquer frontière là, pour yo vinn décadenasser, dessouder. Puis s'entendé à là, l'obéi pété bataille pété roche tiré, haïtien a bataille avec haïtien pour défendre l'intérêt dominicain. M'pral fò gade vidéo, ou pral comprendre. Ou pral gade, ou pral analyser, ou pral commenter situation tension sa ou gade ya. Comment fè haïtien pa ka mete tèt ensemble pour défendre l'intérêt Haïti? Comment fè y a humilier haïtien et haïtien tout haïtien pa ka fon fèso pour défendre l'intérêt haïtien? Ou ouais, moun ki semble avoir haïtien pareil ou a prend l'argent bas haïtien pareil ou a défendre intérêt dominicain, haïtien pareil ou a bataille pour dominicain, haïtien pareil ou prêt pour tout haïtien pareil pour dominicain pour qui ça pour yo ka acheter ti boîte et ti plat emporter en fomio, bagay qui interdit en Haïti. Ah oui, produit ça ou interdit en Haïti, mais y a sorti en République Dominicaine, le haïtien pa vle yo rentrer avec yo passer sous frontière là, yo la yo nan rivière, al prend yo par en bas pour yo passer tirer roche bataille pour qui ça pour marcher à ka ouvri pour Dominique ka vendre. Ça pas mêlé au que haïtien humilié, ça pas mêlé au que dominicain tout haïtien, ça pas mêlé au que dominicain maltraité haïtien, humilié haïtien depuis yo même. Yo gen accès pour yo vendre, yo gen accès pour yo acheter, yo gen accès pour business fonctionner qui mêlé yo arrest. C'est une des raisons nous pas ka faire mouvement, pas ka gen révolution ak moun grand goût. Révolution c'est ak moun ki gen conviction et de pousser moun grand goût pas ka gen conviction. De pousser moun ki grand goût ou pas ka gen conviction, pas ka mener bataille et Dominique vin comprendre que c'est pas tout haïtien comme un paysan, c'est pas tout haïtien qui gen conviction, c'est pas tout haïtien qui prêt pour faire révolution, c'est une des raisons que a utilisé haïtien comme ça. Bon qui t'a regardé vidéo a, n'a pour retourner après puisque dossier Youri la torture, faut que nous débattre sur lui pour ensemble des formations là moins poté, faut que nous connait exactement qui ça lié avec Youri la torture. Hey, chef, 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 chef
Nous-mêmes,
Bon, mes amis, si ça me saute garder là, c'est pas haïtien qui est ennemi. Haïti, qui est-ce? Dominicain, hein? Dominicain a humilié haïtien, haïtien a défendu l'intérêt dominicain. Dominicain a mis pied sous quoi haïtien, haïtien a boumé haïtien pour intérêt dominicain. Qui est-ce qui raille Haïti? Qui est-ce qui parle ou haïtien pareil? Blanc, communauté internationale, non? Dominicain ou bien haïtien pareil? Donc, c'est ça me toujours a dit nous. Moun ki grand goût, moun ki pa gen conviction, moun ki pa prêt pour souffrir ou pa ka faire mouvement avec, ou pa ka faire révolution avec lui. Et c'est une des raisons qui fait tout ta poser tête moi question. Côté nous rive là, notre stade Haïti est là. Côté pays a est là, est-ce que pays ça a gen fait avant pour lui? Est-ce que pays ça a gen changement pour lui avec modèle moun sa yo nou gen là? Est-ce que nous rive identifier tout problème? Parce que ça nan vive là. C'est pas ni Lambert, c'est pas ni Yuri, ni Matéli, ni Garibodo. C'est pas nèg sa yo, nou k'te sou frontière là.
C'est haïtien pareil nous. C'est pas blanc qui est sous frontière, c'est pas Biden qui est sous frontière, c'est pas tout qui est sous frontière là. C'est haïtien pareil nous. C'est nous même encore, c'est pas madame la lime qui est sous frontière là, c'est haïtien qui pas qu'à mettre tête ensemble, qui pas qu'à faire solidarité pour défendre intérêt pays yo. C'est haïtien qui pas qu'à mettre tête ensemble, qui pas prêt pour faire solidarité pour défendre haïtien pareil yo. C'est pas blanc. C'est pas communauté internationale là. Avant tout, moi voulais toujours comprendre que si nous voulons faire pays, il faut que nous commençons par pour nous détacher nous de toute malpropreté ça, de tout petit intérêt personnel, petit intérêt mesquin. C'est pas seul politicien qui a intérêt mesquin. C'est pas seul dirigeant autorité bandi légal qui a intérêt mesquin, qui a intérêt personnel à défendre. Chaque haïtien toujours met intérêt par yo avant, prioriser petit intérêt personnel par yo avant yo collectivité a. Qui mêlé yo moun te mouri sous frontière là. Qui mêlé yo haïtien pareil yo te mouri sous frontière, te victime te prend balle etc. Depuis yo même yo ka sorti a marchandise yo. Depuis yo même yo ka fin démonter barrière, dessouder des cadenasser pour permettre à ce que haïtien rentre à l'acheter, pour permettre à ce que dominicain vende produit yo qui te mêlé yo plan yo objectif yo yo atteni donc je dis c'est avec bagay ça c'est ça pour nous commencer dénoncer comportement haïtien ça yo cap agir de manière anti haïtien ou c'est haïtien ou agir comme sous bata haïtien ou c'est haïtien ou bata avec propre haïtien par yo cap défendre intérêt Haïti bon est-ce que me ka considérer comme haïtien et hier pendant que caméraman moi reporter me t'a pris image ça yo faut moi profiter remercier les juifs Junior Robert qui te font un travail qui excellent qui permet que je dis en nous ka gagne image ça yo pour nous garder ensemble notre tirer worship pour un coup de roche. C'est pas ça me t'ai souhaité, c'est pas ça le t'ai souhaité, mais son situation ça ça c'est risque métier, ce sont les risques du métier. Me souhaiter le bon rétablissement, me souhaiter que l'y récupérer le plus rapidement possible pour travailler à continuer depuis nous pas mourir depuis nous là n'a continuer bataille. Faut message yo passer, faut nouvelle yo partager, faut information yo rive côté yo rive pour nous dénoncer moun nous doit dénoncer. Aujourd'hui c'est pas seulement autorité, c'est pas seulement politicien, c'est pas seulement oligarque corrompu qui mérite pour dénoncer. Gen haïtien qui agit plus mal que nèg yo. Gen haïtien comportement yo dit plus que comportement politicien corrompu yo. Que nèg sa yo kap déstabiliser pays an. Donc il était extrêmement important pour nous partager information ça pour même pour ka konnen qui ça ka fait qui ça qui doit fait. Est-ce que jodi an la nous doit renforcer mouvement ça qui a fait dans wana met lan sous frontière d'abonnement pour empêcher que produit dominicain yo rentre en Haïti ou bien est-ce que n'a bay vague et mabdou jeune ça yo qui dans wana met qui te prend initiative là. Hier gen yon nan jeune yo Makil Noel qui c'est une tête de pont dans mouvement ça, li fait toute journée sous frontière wana met lan, li fait toute journée à défendre intérêt Haïti, à défendre intérêt collectivité a, et bien rentrer la caille li m'apprendre que li en ik fin manger moun bali. Yo pas jamais jusqu'à présent là, yo pas jamais konn cause la mort, li mouri red. Yo pas konn si c'est poison, yo pas konn sacrivé li mouri red. Li mouri red m'a parlé de une tête de pont, une initiateur mouvement bloquer frontière l'autre frontière yo. Donc comprendre nan mouvement nan bataille pour libérer pays ça gen konze gen trait nous obligé prudent nous obligé vigilant nous obligé caler genou nous pas konn vraiment qui est qui ennemi nous pas konn qui est qui travaille pour qui est jodi an la c'est chercher qui est qui fait partie de problème nan qui est qui ka fait partie de solution qui ça nous doit faire pour qui ça nous doit faire nous pas ka seulement contenter nous n'a plongé droit sous politicien alors que voisin de bon côté noir li gen plus intérêt dans dominicain que Haïti que haïtien donc moun sa yo nous obligé vigilant nous obligé prudent avec yo et moi te gen annoncé nous dans commencement émission nous gon bon aller là pour nous faire sous Youri la tortue et dossier Youri la tortue hein, dossier Joseph Lambert faut que moi dis nous et pays Canada États-Unis ont déclenché un tsunami politique côté que ni gros poisson ni petit poisson tout joine là dans moment tout joine gagne États-Unis qui ont même sanctionné deux personnalités politiques Youri avec Lambert gagne Canada qui lui même sanctionné 6 en pile mon attend dans moment là qui ça États-Unis pral dit et qui sanctionne pral prend contre Martelly qui sanctionne pral prend contre Lamotte qui sanctionne pral prend contre Seyan contre Bodo contre Ronny Celestin contre Hervé Foucan nous là n'attend mais rien pour qu'on dit jusqu'à présent mes amis faut moi dire honnêtement pour information collecter pour quantité information me joindre sous dossier droit qui concerne Youri la tortue avec Joseph Lambert c'est pas jodi en exaou impliqué tout n'a cité dans question trafic droit dans le pays. Tenez bien, dans le cas de trafic de drogue, trafic stupéfiant, nous avons eu la tortue avec Lambert, la cité depuis
et avant 2006 yo, mais États-Unis dit que yo pas gagne assez de preuves contre nèg sa yo. C'est pour ça yo te quitté yo fait exaction yo continuer faire ça y affaire dedans pays hein, jusqu'à ce que nèg yo commencer yo vinn gagne intention politique, yo vinn aller dans élection, ça ka aller pour sénateur, ça ka aller pour député, etc. Ou vinn joindre dans dedans parlement vinn tourner repère bandit. OK, tout nèg qui dans sac wrong, tout nèg qui dans trafic drogue, tout nèg qui fait assassinat, yo rentre dans parlement yal caché pour yo ka bénéficier immunité, pour yo ka pa arriver sou yo, pour yo ka pa arrêter yo. Eh bien, gen yon livre qui rele en français les dossiers zombies, gang, drogue, politique et vodou sous le mandat des Nations Unies. Livre sa li disponible sur Amazon, on moun ki bezwen lo ka al chèchel, ou ap jwenn tout information qui disponible. Livre lan li publié nan mois juin 2021. Li parle sou an pil activité Youri la tortue a fait kap alimenter gang nan Port-au-Prince et puis histoire nan trafic drogue depuis bien longtemps. Autant li sa ki identifié le sous nom Maxkill, li fait konnen que gagnon ansi, li fait konnen son ancien membre nan unité en dedans Nations Unies qui tap travail en Haïti contre gang ak l'autre groupe criminel. Eh bien, depuis nan premier chapitre liv li, tendez bien, li parle de un policier qui rele Jerry Anderson. Yo ta arrêté Anderson ça en 2008 et le yo arrêté Jerry policier li fait konnen que li même li tap travay pou Youri la tortue et li te responsable pou touye moun pou sénateur. Li responsable pou touye moun, li responsable pou faire assassinat depuis se moun ki mette en face nèg sa yo, ki kanpa en face nèg sa yo. Et bien Jerry Anderson ça li te fait partie d'un escadron la mort k'ap marcher touye moun pou nèg sa yo pendant que yo se gros autorité, yo se gros politicien, yo en bas fonction, yo ap jwenn privilège en dedans pays. Ou konnen. Et bien, li continue pour le bas ensemble des formations comme quoi sénateur ça yo c'est eux même qui contrôlent les cargaisons cocaïne et marijuana dans côte sud des pays li même cité non frère Lambert yo ak sénateur Edwin Zeni ça paraitait là mais là nous garder réalité qui gagne à terre là qui quantité dénonciation qui compte fait des séries de nèg qui cap travaille pour moun sa yo a pour un petit temps de dénoncer yo nous pas oublier si Jerry Anderson li même en 2008 li dénoncer Youri la tortue comme qualité responsable pour touye moun pour lui selon sa livre les dossiers zombies a rapporté, eh bien nous pas oublier dossier Cherson Zano qui lui même li te dénoncer sénateur Joseph Lambert comme quoi sénateur Lambert était recruté depuis qu'il était adolescent pour sénateur a mettre le nom association malfaiteur faire touye moun faire faire assassinat faire faire trafic stupéfiant etc. jusqu'à ce que yo te mette Cherson Zano en prison. Qui ça Joseph Lambert pour le dire, qui ça Cherson Zano te gagne comme preuve contre Joseph Lambert, nous pas connaît. Mais jusqu'à présent dossier ça, li là li pendant pas jamais gon juge instruction qui tranché, pas jamais gon commissaire du gouvernement qui dit mais qui enquête li te fait sous et Joseph Lambert etc. nèg yo, yo al caché dans parlement, yo fait parlement tourner repère bandi yo pour yo bénéficier immunité, yo gen machine officielle yo en bas derrière yo, donc yo ka transporter drogue, yo ka faire kidnapping, yo ka faire assassinat, yo ka faire ça yo vle. Non chapitre 9 livre là. Yo continue, Maxkill continue ba ensemble des formations sur Youri la tortue. Li fait konnen que Youri la tortue apprend tactique ak trafic la caille lieutenant colonel Michel François. C'est là yo dou Youri la tortue li prend formation, c'est là Youri la tortue apprend tactique pour et comment pour et mettre en place stratégie etc. pour faire trafic drogue, pour faire trafic et trafic stupéfiant etc. Li dit tactique yo c'était éliminer opposant politique yo ak krasé zo yo. Depuis ces moun qui se opposant politique, depuis ces moun qui en face nèg sa yo, yo élimino physiquement, yo assassino yo tout yo. Et puis trafic là, c'est pour cocaïne qui sorti pays Colombie, qui vient transiter en Haïti et compétence spéciale yo, c'est faire Youri la tortue, yo joué unique dans mitan famille cocaïne en Haïti. Ça veut dire, dès qu'on parle de drogue en Haïti, on parle de cocaïne, on parle de trafic de drogue, machin de drogue, automatiquement ou pas capable joindre non Youri la tortue, non Youri la tortue pas capacité la donne. Li fait qu'on est plus loin, dit été arrêté Youri la tortue dans l'aéroport international Miami. Et li te Youri la tortue à l'époque, li te gen chance dit pas continuer avec dossier pour qui raison c'est parce que à l'époque époque transition 2006 yo Gérard la tortue qui était premier ministre dans moment hein, qui c'est tonton Youri la tortue, li te fait intervention au niveau Washington pour yote ka presse ba Youri la tortue un ticket pour retourner en Haïti. C'est ça auteur a raconté et c'est à partir de là ça à partir de date ça l'élection vient à fête
en 2011, 2010, 2011, Youri La Tortue vina aller comme sénateur de la République, li bénéficier immunité parlementaire et depuis les années yo intouchable, c'est plus trafic stupéfiant, c'est plus pouvoir nèg yo gagné, c'est plus autorité nèg yo gagné, nèg yo tout vinn rentrer dans cercle bandi légal. Kounye a nous vinn trouver nous en situation côté que Kelte Youri La Tortue, Kelte Joseph Lambert, Kelte Garibodo, Kelte Ronny Célestin, Kelte Hervé Foucan, Michel Martelly, Laurent Lamotte, Jean-Henri Seyan, c'est moun sa yo que États-Unis et Canada sanctionné. Yo tombé en bas sanction suivant résolution 2653 Conseil de sécurité des Nations Unies parce que y a alimenté violence. Yo a fourni moyen ak bandi yo pour yo créer violence, pour yo faire violence criminelle, touye moun, faire trafic stupéfiant, participer dans corruption, etc. Mais par rapport avec situation, ça a un ensemble de questions pour nous poser tête. Nous, tant qu'on prend le cas par exemple de Michel Martelly. C'est même blanc ça, c'est même États-Unis ça qui te décide, yo trafiquer résultat élection. Yo prend élection nan men Jude Célestin. Yo bay résultat, yo bay Martelly favorable, Martelly président pays. C'est parce que à cette époque, Martelly te gon agenda politique, li te vin exécuter pour nèg yo. Martelly te gon mission, Martelly te gen l'ordre yo te passel. Martelly te joueur te pion yo. Est-ce que États-Unis a suivre Canada? Est-ce que États-Unis jodi an la, li pral prendre des sanctions, li pral prononcer sanctions contre Martelly, contre la mort, contre Seyan, là nous connaît qui quantité déstabiliser nèg sa yo participer dans déstabiliser pays en intérêt blanc, qui quantité faveur nèg sa yo bay blanc en retour pour yo te ka kembe pouvoir yo, en retour pour yo te ka continuer jouir privilège en Haïti. Est-ce que li aussi facile? Jusqu'à date, si yon moun États-Unis sanctionné, li pa lot ke Youri La Tortue, li pa lot ke Joseph Lambert. Parce que dans commencement émission, on parle de OFAC. On parle de OFAC qui lui-même li pour ensemble de décisions contre Youri La Tortue, li pour ensemble de décisions contre Joseph Lambert. Eh bien, OFAC qui choisit sanctionner Youri La Tortue à Lambert parce que yon participé et dans une série d'activités criminelles en dedans pays, ils ont fait transactions qui contribuaient à déstabiliser pays, qui représentaient un risque parce que y a fait trafic de drogue, y a simaillé de drogue dans pays, y a simaillé de drogue dans monde là. Donc, département trésor américain li décidé pour sanctionner nèg sa yo. Et nous gen Brian Nelson lui-même qui c'est sous-secrétaire d'État trésor pour intelligence financière terroriste, lui dit que Joseph Lambert a Youri La Tortue utilisé position comme officiel en dedans pays pour trafiquer drogue et puis collaborer avec réseau gang, avec réseau criminel pour affaiblir l'État haïtien, pour affaiblir la loi haïtienne. Yo. Et yo te décidé, yo prend sanction contre Youri, yo prend sanction contre Lambert. Jusqu'à date, l'autre 6 mouns que Canada sanctionné, Canada prend sanction parallèle la kaye pa yo, mais sanction que OFAC prend li même contre Youri à Lambert, la, sanction sa yo pidu que ça Canada prend. M'bral bon détail dans yon petit moment. Eh bien, pour nous continuer, sanction OFAC prend yo, qui sa sanction sa yo ye? Li fa konnen que toute propriété ak intérêt moun sa yo Youri à Lambert genyen, yo possède aux États-Unis, tout a tombé en bas contrôle américain. Et d'ailleurs, même le tagon citoyen américain ou bien entité américaine qui a géré pour yo, automatiquement tout a bloqué parce que département trésor américain décidé sanctionner. Tout business moun sa yo possédé, au moins 50% là dedans a bloqué automatiquement. Yo fait connait que n'importe institution qui t'a participé dans fait transaction à deux moun sa yo pendant que yo en bas sanction, y a sanctionné tout parce que Kelte Youri, Kelte Lambert, yo représente une menace pour sécurité États-Unis puisque y a fait trafic de drogue, y a la corruption, etc. Et sanction ça, yo touche ni Youri ni Lambert, même au niveau national, même en Haïti, parce que y a un ensemble de banques en Haïti pour faire transaction internationale, yo lié directement avec un paquet de banques étrangères, banques américaines, banques canadiennes, banques françaises, etc. Et banques ça, yo Bank sa yo, yo supposé respecter sans et sanction OFAC prend yo et moun sa yo et automatiquement
Si tu as des transactions que moun sa ou t'a besoin faire à l'étranger, payer, etc., tu n'es pas capable parce que tu es en bas sanction. Qu'on y a par rapport avec situation ça, qui ça n'est pas au café parce que question pour poser t'es tout. Est-ce que sanction au fac prend contre l'emberlant? Est-ce que au définitif? Est-ce que au permanent? Est-ce que ad vitam aeternam jusqu'à ce que nèg yo mouri? Non. Sanction ça yo, yo pas de manière définitive puisque youri la tortue à toute l'emberlant, yo ka yo ka suivre des procédures pour yo mande au fac retirer au dans liste. C'est au fac qui mette au dans liste, c'est au fac qui doit retirer au dans liste et yo pas faire sans preuve. Tout le temps dans les nèg yo a dit pas gen preuve contre etc. C'est bluff, c'est persécution politique, c'est sanction politique, c'est pas vrai du tout. Pour au fac sanctionner, pour au fac mettre dans liste, faut que yo gon ensemble de preuves contre ou même. On comprend? Donc yo pas faire sans que yo pas gen preuve. Qu'on y a qui ça qui ka fait étant donné li possible pour you, li possible pour l'ambert mande au fac retirer yo gion moyen pour sa fête et pour yo arriver fel yo ka yo même soit personnellement yo appliquer yo suivre procédure qui là pour mande retirer non dans liste ou bien yo ka prend avocat yo saisir au cabinet d'avocat là avocat gain pour faire procédure yo suivre procédure etc. pour mande au fac retirer yo pour dégeler bien yo etc. et le ça nèg yo pral vini yo pral di yo pa jam nan rien vrai comprenez bien kounya pour yo ta embaucher avocat américain pour yo ta di yo mette avocat américain sous dossier qui pral défendre yo c'est au fac encore qui pour bailler autorisation parce que gen l'argent prend gen action financière comprendre gen l'argent pour débloquer pour payer avocat c'est au fac parce que son citoyen américain avocat étant donné li pral di la avec moun qui gen sanction au fac qui gen sanction américaine sous doyo donc c'est au fac encore qui pour ba ou approbation qui pour dire OK ou ka employer avocat américain a touché tel cob oui ou gen droit pour payer tel cob le ça sanction bon sanction toujours là oui mais yo ba ou autorisation qui pral permettre ou payer avocat pral défendre donc sanction ça yo États-Unis à Canada prend contre la tortue pour geler bien yo bien gelé compte en banque etc. sanction ça yo pas définitif gen action nèg yo ka fè l'ordre yo di ouais gen sénateur là gen nèg nan politique là qui a fait gros lobby Washington là et pour ouais si yo te ka retirer sanction si yo te ka jwenn garçon men levé effectivement la fête vrai parce que nèg yo yo besoin gen accès à bien yo besoin gen accès à compte en banque yo nèg yo pas ka vivre sans l'argent tout si l'argent pays yo fin volé yo al serrer aux États-Unis à acheter bel ca investir dans bel business etc. faire gros projet ou bien nèg dou qui choisit yo même yo fait yo blanchi l'argent façon yo blanchi l'argent nèg là la, c'est dans paradis fiscaux yo créé situation pour yo blanchi l'argent il sorti dans compte en banque A là dans compte B là dans compte c'est l'argent pas jamais stable un seul côté yo a utilisé paradis fiscaux yo côté pour yo pas payer impôts côté pour yo pas payer taxes etc. et puis sortant de là ou même pays ça yo té autorité là dans le même pays ça yo té premier ministre yo té ministre yo fin approuve yo fin voler l'argent projet yo même j'en ai yo voler l'argent projet Petro Caribe côté l'argent Petro Caribe à côté comme là nous pas connaît yo voler l'argent CIRH côté comme ça a fait fond demander Jean-Marc Bellerive fond demander Gérard la tortue fond demander Boniface Alexandre fond demander toute autorité ça qui t'est passé sous transition yo faut nous demander toute nèg ça arrivé sous gouvernement et Jovenel Moïse côté comme Petro Caribe parce que yo tout yon après l'autre yo té là yo té autorité yo té gagné et c'est eux même qui t'a coupé raché yo té gagné projet soit disait yo t'a exécuté mais rien pas jamais fait et jusqu'à présent nous trouvons nous en situation côté que pays en déstabilisé, pays en proie de violence, et qui est-ce qui derrière toute violence ça yo? Qui est-ce qui a baillé bandit zam? Qui est-ce qui a baillé bandit moyen pour déstabiliser pays? C'est même politicien ça yo. Donc, vous venez comprendre, dans ça qui est pour avec politique en Haïti, pas qu'on est qui innocent. Et c'est ça qui fait, l'or y a pas assimilé politique, c'est yo d'où c'est nèg qui malhonnête. Oh, ça va le faire dans politique. Oh, ou va le voler, ou besoin de tout, ou besoin d'assassinat. Parce que politique en Haïti yo assimilé la moun ki malhonnête à moun ki volé à gang, c'est ça yo montre politique là et c'est ça qu'il faut après moun ki honnête, yo pas vle rentrer dans question politique. Yo pas vle yo peur politique parce que politique en Haïti c'est bagay sale. Politique en Haïti c'est bagay ki reprendre pour rentrer dans politique, yo gétan comme volé, yo gétan comme kidnapper, yo gétan comme bandi, yo gétan mette toute chaille toute fado sous dos automatiquement. Ou nan politique là c'est à soi assemblé vrai ou semblé à un drug dealer ou semblé un nèg qui vient cacher dans parlement comme sénateur député pour bénéficier immunité parlementaire pour le voler ou semblé avec ça dit de Yurian ça dit de Lambert ça dit de Garibaldi c'est avec ça
l'Assemblée, oui. Et qu'on y a pral comprendre leur dou. Pendant que l'épuration qu'a fait dans la classe politique, ça y a tapé nèg dans la classe politique, ça y a, qu'on y a jeune, y a un paquet de jeunes qui honnête, y a posé tête sur question. Est-ce que m'ta rentré dans la politique là? Pas vle nèg al manger, pas vle nèg al sale nom, non femme, etc. Bon, quitte m'a fait tirer de dehors toujours. Yo vin fort peur politique en Haïti, alors que la politique c'est l'affaire de tous. Ah oui, la politique c'est l'affaire de tout le monde. C'est pas un petit groupe moun, c'est pas seulement les professionnels de la politique moun qui fait ce politique qui t'a supposé faire politique. En tant qu'haïtien, ou même là, ou même quand regarde vidéo, moi même quand fait émission, mais écoute, en tant qu'haïtien, nous tous ces haïtiens, nous chaque bon port de responsabilité, nous chaque bon travail nous ka accompli. L'on campe pour défendre pays ou pour défendre intérêt politique dans pays ou c'est politique quoi faire l'on dénonce nèg sa ou ka volé qui détourner l'argent Petro-Caribe qui manger l'argent CIR c'est politique quoi faire consciemment ou inconsciemment nous tout à fait politique et je dis là si gon bagay qui supposé faire le plus rapidement possible c'est camper face avec nèg sa yo c'est camper ou dénoncer exaction dénoncer malversation que nèg sa yo politicien sa yo a fait en dedans pays hein on pas que nèg qui dans société civile a fait en dedans pays hein mais tout ou veiller à ensemble de décisions que communauté internationale la prend que États-Unis a prend parce que pas oublier pendant Canada États-Unis prend sanction là gen Nations Unies qui a venu très prochainement avec on liste autorité en Haïti côté que le parlement des 193 pays qui reconnu en dedans l'Assemblée générale des Nations Unies pour sanctionner nèg sa yo. Est-ce que c'est tout 193 pays sa yo qui pral véritablement sanctionner nèg sa yo alors que si yo pa gen aucun relation avec yo ou pensez yo pral sanctionner yo si la Chine pa gen relation d'affaires avec nèg sa yo pensez yo pral sanctionner yo si la Russie pa gen relation d'affaires avec yo yo pa jam nan tete lan avec criminel haïtien sa yo pensez yo pral sanctionner yo pour qui raison parce que ou vin comprendre démarche résolution 2653 Conseil de sécurité Nations Unies étant donné initiative là c'est États-Unis avec Mexique qui te prend majoritairement yo pral dou c'est États-Unis c'est démarche États-Unis d'ailleurs même résolution k'ap gagné pour voter sous demande d'intervention militaire et étranger en Haïti c'est résolution États-Unis yo pral wè États-Unis véritablement tellement présent dans dossier haïtien États-Unis Haïti c'est derrière la américain. L'on doit Haïti c'est derrière la caille dominicaine, pas forcément Haïti plus derrière la caille américain États-Unis pour qui ça parce que le dominicain fait nous en bagay ou jeune haïtien révolté mais le américain fait nous en bagay ou pas jeune qui contre révolté non parce que yo joine approbation classe politique là c'est eux même qui exécuter plan pour yo. Donc c'est la grande différence. Je dis, nous besoin continuer, nous besoin pour et pays ça continuer sanctionner vagabond, continuer sanctionner tout nèg ça qui impliqué dans craser pays dans déstabiliser pays. Mais avant tout nous-mêmes comme haïtiens, nous-mêmes qui fait partie de société civile là, nous-mêmes qui a subi attaque, nous-mêmes qui a subi zak malhonnête bandi a fait sur nous, faut que nous commencer prendre habitude pour nous porter plainte. Pour nous mettre comme des organisations, pour nous aller porter plainte des organisations de défense droit. Nous ne pas parler d'organisation criminelle de défense droit de l'homme, non. Nous ne parler d'un paquet de réseau droit, nous soit disant et puis autant des non dirigeants, non leaders participer dans toute malpropre dans le pays, non. Ma parle de organisation défense droit moun ki konn droit yo avant moun ki konn les droits haïtiens violés les droits haïtiens lésés ki sa ki ka fait. M'pa parle de nèg k'ap caché derrière réseau droit moun k'ap fait politique cap vendre pays cap marchand des pays non cap crier pour poste ministre cap crier pour poste directeur général qui besoin mettre moun nan BM pas non c'est pas de ça yo m'a parlé par exemple là nous prend organisation défense droit moun tant que groupe d'appui réfugiés etc. moun sa yo campé pour yo dénoncer support que gouvernement Ariel Henry a pas porté ba haïtien qui vivent en République Dominicaine yo. Yo même pourquoi yo comme moun k'ap défendre droit rapatrié comme moun k'ap défendre droit migrant est-ce que yo k'ap prendre tout chay migrant haïtien yo mettre sous do yo nous gen migrant tout côté dans monde là nous gen la République Dominicaine nous gen Brésil nous gen Chili nous gen Mexique nous gen qui bon encore nous gen Turquie nous plein haïtien gars tout côté dans monde là et pas gen solidarité vraiment pas bon côté gouvernement. Pas de solidarité par mon côté gouvernement Ariel Henry, ministre affaires étrangères Jean-Victor Généry, si pas son merde pour moun yo, est-ce que gan kapote chay tout migrant sa yo sou dol s'il pa gen support gouvernement, s'il pa gen support l'état haïtien non. Donc travail la vin difficile, extrêmement difficile pour yo. En tout cas mes amis bagay yo en pile.
L'homme dit nous bagaille en pile, et moi apprendre la gagne Léon Charles qui dans cabinet d'instruction il a tendé dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse. Et quelques amis qui a demandé est-ce que le pata tout bon pour yo kembe Léon Charles parce que estime li impliqué dans tout le président Jovenel Moïse etc. Mais faut moi dit nous Léon Charles li pas un simple citoyen là, Léon Charles li sont ambassadeur, li représente Haïti de manière permanente en OEA, li sont diplomate. Léon Charles qui vini là, l'abdou carrément c'est par coup trois îles vini oui. L'abdou c'est par coup trois îles vini et c'est parce que li vle, vous comprenez, parce que li c'est diplomate, des conventions de Vienne qui couvri etc., li gen immunité diplomatique tout ça. Est-ce que yo ka kembel, est-ce que yo pa ka kembel, est-ce que yo pral inculpé le dossier assassinat président Jovenel Moïse, on a suivi. N'a pas suivi parce que quoi travail d'instruction, quoi travail d'enquête qu'a fait. Et il faut que moi dis nous tout. Pendant temps de cabinet d'instruction, temps de jugement, l'acteur de Léon Charles, c'est ce juge d'instruction qui est opérationnel là qui travaille. Après ça, tout l'autre, il n'y a pas de bureau, non? Il n'y a pas de bureau, il n'y a pas de régler. Dossier judiciaire en Haïti, dans ce moment-là, tout nous en coin. Et nous espérons que le plus rapidement possible, il y a une lumière qui fait dans le dossier assassinat de Jovenel Moïse. Il y a un inculpé pour inculpé, il y a un libéré pour libéré. Moun yon ap déféré par devant tribunal criminel pour yon faire. Parce que un dossier assassinat pas qu'après 2, 3, 4, 5 ans, non, si yon 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 fait souli, et puis moun ap coupi dans prison, dans détention préventive prolongée, li pas possible. Li pas possible, faut que lumière fait souli. Juge d'instruction, ou bon dossier nan moun, après que te yon fait travail, ou fait travail ou. Pas prendre intimidation, pas prendre menace. Ariel ou estime Ariel ou doit tendre le temps de Ariel, mais pas venir quitter rien là et pas quitter politique là rentrer dans dossier assassinat Jovenel Moïse pour 2 3 4 ans passé pour rien pas fait. Donc n'a pas suivre dossier au de très près, n'a pas kembo informer chaque détail, chaque update qui gagne ou là pour qu'on exactement qui et qui update qui gagne qui ça qui a fait dans dossier en dedans pays. C'est un plaisir pour me dire avec vous dans émission, rendez-vous en casser dans une autre vidéo. Merci tout le monde, à la prochaine. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et puis on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et l'ennemi, mon éditorial, je dis tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si lundi pour y faire vendredi, depuis le fait 2 heures, oui, chez Chanel Paul, pour qu'à bien informer avec Yannick. Mon éditorial. Nous bras le balai, nous bras le débat.